ma chaîne Nicolas Fishing. Aujourd'hui, on a espéré bah, aller lâcher de truite à la rivière de Loucheron. Allez, suivez-moi. On va à la commune de l'Espéré, un petit lâcher de truite aujourd'hui, le 26 et 27, demain et dimanche. Voilà. Allez, suivez-moi. Magnifique truite là que le petit vient juste d'attraper. Bonjour, ça m'a un peu par ici. Ben écoute, c'est la première que je prends. Première. On en a chacun une. Pour l'instant, c'est pas terrible. Ah, là-bas, en face là-bas, là, ils ont attrapé beaucoup là-bas. Bah, c'est normal, ils sont à l'abri du vent. On a à l'abri du vent, donc elles sont calées. Là, le vent a changé, donc on est en plein nord. Ouais. Oh, il est magnifique celle-ci. Ah ouais. On n'a pas puisé d'ailleurs. Bah. À peine lancé, c'est direct. Ah non, c'est le bouchon, elle attaque. Elle attaque le bouchon. Une magnifique truite.
Allez, bah. Occupe-toi du frein. Il faut voir les bras là. Tu mets du 43ème, ça vient. On apprend là, moi je découvre la pêche. Au moins, j'aurais pas de mots. Un joli combat ça. Bon. On va vous répéter. Les deux sens. Tu m'étonnes. Bon, attention, je vous ai compris que je ne vais pas marcher derrière la canapé. Ah c'est bon, là il est fatigué là. Merci bien Dom hein. Non, elle a presque. Non pas encore. C'est elle là, là. Là c'est bon. Là c'est bon. La cou... Non elle l'a sorti, arrêtez monsieur. Ah là. Ah c'est bon. Elle est pas dedans, elle est pas dedans. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Merci.
elle est belle celle-ci aussi. Ouais, elle est contente. Elle est toute contente. Toute petite. Allez-y. Ouais. Oh là là, je vais faire chier. Là là, c'est bon. Ah bon ? Ah ouais. Je dois le voir. Pardon, hein, c'est du bordel. Non, non, mais... Mais bon. Pour le temps. Oh, elle est belle. Ouais. Oh putain! Oh, elle est là. Ça va pas, j'en vois. Elle est partie là. Ramène-la comme ça, elle tombe pas dans l'eau. Parce que piédine comme ça, là, je pense, ça fout les boules. Là. Merci beaucoup, ça, elle est belle. Hein. Ah ouais. Allez, j'ai été cassé. Pourquoi ? Je sais pas si vous voyez, il y a deux poissons, un là et un là. Oui, oui. Ça tourne. Vas-y. Allez, vas-y, Mouline. Attends, laisse. Allez, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, Mouline. Je ne peux pas. Vas-y, il y a un poisson. Allez, vas-y. Laisse quelle Mouline. Mouline pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Mouline. Allez, vas-y, et vas-y. Vas-y. Et Moulin. Vas-y. Moulin. C'est ça, poisson. Oui, Moulin. Poisson. Et vas-y, Moulin. Mmh. Allez, vas-y. Oh, maman. Ah, décroché. Décroché. Président de la société de pêche du
Côte. Nous sommes une petite société de pêche privée qui est située à Ezeray dans la Côte d'Or, à côté de Dijon, à 20 km de Dijon. Donc nous avons une petite société qui s'occupe d'une rivière où on fait de l'alvinage une fois par an. Tout ce qui est brochet, sande, cape, perche. Et on fait aussi deux lâchers de truites par an, où on lâche à peu près 150 kg de truites par lâcher de truites, avec quelques grosses à l'intérieur pour amuser un petit peu nos pêcheurs. Voilà. Et sinon, la pêche s'effectue toute l'année comme, avec les réglementations fédérales en ce qui concerne le brochet, le sand, tout ça. Nous avons à peu près une quarantaine d'adhérents, à peu près. Voilà. Et puis, ce qui nous maintient un petit peu financièrement, c'est qu'on organise deux grandes brocantes. Une le lundi de Pâques, donc le 18 avril cette année. Et une deuxième en mois d'octobre, ce qui nous permet de nous autofinancer, de pouvoir acheter du matériel, du poisson, enfin tout ce qu'il faut pour que la petite pêche puisse vivre sereinement et puis le plus longtemps possible. Voilà. Ça marche, c'est pas possible. Il faut que votre association continue. Il faut que l'association continue, donc on est quand même pas mal d'anciens. On aimerait bien que quelques jeunes bénévoles puissent s'investir un peu plus dans l'association. Ça serait pas mal parce qu'on vieillit tous et puis il faudrait que ça perdure. Enfin, les gens sont contents. On a un beau voilà, cadre. Si les gens ils vont regarder cette vidéo, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, voilà, vous savez où voilà. C'est l'association. Et on a un beau cadre de pêche. Donc, vous avez peut-être pu voir un peu le cadre de pêche qui est super séduisant. Donc, et voilà, donc il faut que ça dure comme ça. Voilà. Ouais. Après, vous êtes combien de membres dans l'association ? Alors, de membres, nous sommes 5 membres. Je suis le président, il y a un trésorier, Philippe, qui est à côté de moi, là, qui est là, voilà. J'ai une secrétaire qui s'occupe de tout ce qui est administratif. C'est juste là. Voilà. Nous avons notre chef cuisinier qui est là derrière, qui s'occupe des casse-croûtes lors de nos manifestations. Voilà. Et puis... Jeannot qui est absent aujourd'hui. Et un autre qui, voilà. D'accord. Et voilà, le petit mot de la fin. Écoutez, j'espère que tout le monde verra, beaucoup de monde verra cette vidéo, qui sera enchanté de voir cette vidéo. Et puis si vous voulez venir pêcher, tremper le bouchon un petit peu chez nous, il n'y a pas de souci, on vous fera avec plaisir une jolie carte de pêche pour l'année qui vient. Voilà. Merci. Merci.